Bon, on va laver petit. Les trucs qui sont plus grands que moi, t'as vu. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Artemio et le Vincennes? Je pense que niveau qualité, prix, on s'y retrouve quand même. Le Vincennes, ça est certes plus cher, mais la qualité du produit est quand même plus aboutie. On voit que le plastique est bien dur, bien au niveau des ancrages, on sent que ça se passe. Ça, tu vois, ça, tu le secoues, il n'y a rien qui bouge. Ici, quand tu secoues l'autre, c'est pas que ça bouge, mais comment t'expliquer? Là, tu vois, ça tremblote un peu, quoi. Tu vois, ici, la règle, je peux pas l'enlever avec facilité. Là, tu vois, il faut quand même que j'accroche bien des deux côtés pour l'enlever. Ici, celle-là. Je crois que je peux l'enlever avec tous les petits doigts, quoi, tu vois. Donc, tu sens que c'est la qualité. Tu sens que c'est la qualité qui diffère. Au niveau de la découpe, je peux dire, je pense pouvoir dire qu'ils sont tous les deux au même niveau. Au niveau du trait d'arrimage, le Vincennes est beaucoup plus abouti et beaucoup plus, bien mieux par rapport à sa lame qu'on a vue sur le Artemio. Il était plus enfoncé. Sur le Vincennes, il est beaucoup plus ressorti. Donc on est obligé de moins appuyer dessus. Et on n'est pas obligé de faire 36 000 passages avant de sur le papier. Personnellement, je me tourne vers le Vincennes. Au niveau de sa qualité, de tout ce que je viens de dire. Après, oui, les lames sont plus chères, le produit est plus cher. Mais ça, c'est chacun de voir. Chacun de voir. Ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Enfin, tu vois, ce qu'il peut aussi, surtout. Je trouve que les lames aussi sont beaucoup plus faciles à mettre sur le Vincennes que sur le Artemio. Moi, je galère beaucoup moins avec le Vincennes qu'avec le Artemio, ça c'est sûr. Après, voilà, c'est une question de choix, mais ils se valent tous les deux. Franchement, on fait du travail très propre avec l'un, avec l'autre. Pareil. Ça là-dessus. Là, on a vraiment la qualité aboutie dans tous les côtés. Là, ici, on a un produit, très très bon produit, à moindre coût. Mais voilà, les finitions des petites choses. Voilà quoi. C'est ce qu'on paye aussi, je pense, hein. Que vous dire d'autre? Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Je vous rappelle. Juste que les massicots que j'ai moi dans les mains, pour le Artemio, il a fait 22,40 €. Et le Vincennes avec des lames à 11,78 €. Et le Vincennes est à 28,94 € avec des lames à 13,55 €. Les lames sont à 2 € de différence. Bon. Voilà, entre mes deux, mon cœur balance, même si mon cœur balancerait plus vers le Vincennes créatif, mes petits loups. Il est temps pour moi de vous laisser en vous faisant des énormes gros bisous d'amour. Et je vous dis à
très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous mes petits loups.